أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أدبي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس اللغة الفرنسية. اليوم سوف نكمل ما تم إعطائه في الدرس الثالث من بعد الحوار، وسوف نتطرق للقواعد. فاصل قصير ونعاود. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. On va continuer aujourd'hui notre dossier. N'oubliez pas que le dossier, c'est dossier numéro 3. Et le titre de ce dossier, c'est les préparatifs de voyage. On va commencer aujourd'hui la grammaire. Regardez bien. On va étudier aujourd'hui savoir employer les mots interrogatifs. كيف طرح الأسئلة. On va commencer. Allez, on commence. Les mots interrogatifs. Est-ce que tu aimes le sport? Est-ce que tu aimes le sport? Allez. Le mot interrogatif, c'est est-ce que. Est-ce que tu aimes le sport? La réponse pour cette question sera oui, j'aime le sport. Ou non, je n'aime pas le sport. Donc, comme vous voyez, est-ce que, dans une question, la réponse pour cette question sera avec oui ou non. On change la deuxième, le deuxième mot interrogatif. Qui, yes, qui, une personne. Donc, qui, yes, ou c'est qui. C'est la même question. Qui, yes, c'est qui. Regardez la réponse. C'est Julien. Je peux dire c'est mon père. C'est mon ami. C'est mon professeur. Donc le mot interrogatif qui dans une question ne donne une personne dans la réponse. Qui c'est qui? C'est Julien. Allez, on continue. Regardez, une valise. On demande, qu'est-ce que c'est? Donc, le mot interrogatif, qu'est-ce que c'est? Ou, c'est la même question quand je dis, c'est quoi? Donc, pour demander, pour poser une question, je dis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Allez, réfléchissez. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est une valise. Qu'est-ce que c'est? C'est une valise. Je peux demander autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je peux dire c'est un livre. C'est un stylo. Donc là, le mot interrogatif, qu'est-ce que ou quoi nous donne dans une réponse, un objet, quelque chose. Regardez l'image. Il y a la mère et son fils. Je demande, je pose une question. Qu'est-ce que tu fais? La mère, elle demande à son fils, qu'est-ce que tu fais? Allez, Louis, qu'est-ce qu'il fait dans l'image? Réfléchissez, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, le fils répond, il dit, j'écris. Donc, le mot interrogatif pour demander, c'est « qu'est-ce que ?» Dans la réponse, je dois répondre par « faire quelque chose », une action, action. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'écris. Encore la même image. Qu'est-ce que tu écris? Tout à l'heure, la mère a demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Il écrit. Son action, c'était d'écrire. Et là, la mère demande, qu'est-ce que tu écris? Il répond, j'écris mes devoirs. Donc, là, il écrit quoi? Il écrit ses devoirs. Donc, on parle de quelque chose.
Combien? Attention là, combien, c'est toujours pour donner le nombre. 1, 2, 3, 4. Donc, combien coûte le billet? Allez, regardez les billets là. Combien coûte-t-il ou le billet coûte combien? Donc, je peux commencer avec le mot interrogatif combien et je peux terminer avec le mot interrogatif combien. Allez, on va voir la réponse. Il coûte, attention, quand je demande le nombre de prix, il coûte combien? 50 dinars. Je peux enlever 50 dinars et je peux mettre autre exemple. Je peux dire, il coûte 10 dinars. Il coûte 20 dinars. Donc là, le mot interrogatif combien obligatoire nous mène à écrire un nombre. Allez, on continue avec le mot interrogatif combien. Regardez bien. Combien tu as de livres? Livres. Regardez, nous avons des livres. Allez, on compte. 1, 2, 3. Donc, le mot interrogatif combien? Il faut qu'on écrive le nombre. Donc, je peux dire combien tu as de livres? C'est la même question quand je la pose en disant tu as combien de livres? Bien sûr, il faut compter. 1, 2, 3, 4, etc. Donc, pour avoir la réponse, c'est très important de mettre un nombre. Donc, j'ai 17 livres. Allez, rappelez-vous les nombres. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et etc. Donc là, j'ai 17 livres. Je peux dire, j'ai 10 livres. Allez, on continue avec les mots interrogatifs. Où? Donc là, je demande en utilisant où. Regardez l'image. Où vas-tu? Tu vas où? Dans quel pays? Dans quelle ville? Dans quel lieu? Donc, la réponse, regardez bien. Parce que je change, je pose la question avec « tu ». La réponse commence avec « je vais où à la mosquée ?» Bien sûr, je peux enlever « à la mosquée » et je peux mettre un autre lieu. « Où vas-tu ? » « Je vais à l'école. » « Où vas-tu ? » « Je vais au restaurant. » Donc, c'est très important de marquer un lieu, écrire un lieu avec préposition harf al-jar. Tout ça nous donne le lieu, le makan. Donc, on vient de terminer le mot interrogatif où. Allez, on continue. Regardez, j'ai un avion, j'ai la tour Eiffel. Donc, comment vas-tu à Paris? Ou je peux demander, je peux poser la question. Tu vas comment à Paris? Est-ce que tu vas en avion? Est-ce que tu vas en train? Est-ce que tu vas en bateau? Et etc. Allez, on regarde. Pour répondre à cette question, c'est très important d'écrire, comme vous voyez, les moyens de transport. Donc, je demande « Comment vas-tu à Paris ?»« Tu » devient « je », donc « je parle de moi. « Je vais à Paris en avion. » Je peux enlever « en avion », le moyen de transport, le mouassalat, et je peux mettre « Je vais à Paris en train. »« Je vais à Paris en bateau. » Allez, on continue. Comment? C'est le même mot interrogatif. نفس سؤال الاستفهام. Mais autrement. Comment est ton frère? Elle est ton frère. Ça peut être ta sœur, ta mère, ton papa, etc. Comment est ton frère? Je peux demander autrement. Ton frère, il est comment? Donc là, je réutilise le mot interrogatif « comment », mais
mon frère. Pour répondre, je dis mon frère est grand. Mon frère est petit. Donc là, le mot interrogatif comment, c'est pour décrire, description, wasf, pour décrire une personne. Donc mon frère est grand et mon frère est petit, mon frère est grand et etc. Donc je mets un adjectif, sifa. Allez, on continue. Quand as-tu un examen? Tu as un examen quand? Allez, regardez, vendredi. Ça nous rappelle à quoi? Bien sûr, les jours de la semaine. Samedi, dimanche, mardi, etc. Donc, ce sont les jours de la semaine. Quand as-tu un examen? 12. Un numéro. Une date, plutôt. Donc, quand as-tu un examen? J'ai un examen vendredi le 12. Donc, quand, ça nous donne quoi? Ça nous donne un jour et une date. Matin. Je continue. Regardez. Quand as-tu un examen? Allez, mais c'est quoi? Allez, rappelez-vous. Les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc, quand as-tu un examen? Le 20 mai. Donc, je mets une date avec le jour et le mois. Donc, le mot interrogatif quand, ça nous donne, bien sûr, matin. Allez, je continue. Quand vas-tu au cinéma? Regardez. Qu'est-ce que j'ai? Je vais au cinéma le jeudi. Donc, on choisit un jour de la semaine. J'ai dimanche, lundi, mardi, etc. Donc, je vais. Tu vas quand? Je vais au cinéma le jeudi. Oui, je vais au cinéma le jeudi. Allez, regardez, le soir. Donc, je peux aller au cinéma le soir ou le matin, l'après-midi, etc. On continue. Pourquoi tu vas au cinéma? Allez, pourquoi on va au cinéma? Allez, regardez. Pourquoi tu vas au cinéma? Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, pourquoi, ça nous donne la raison. On va au cinéma pour regarder un film, bien sûr. On va au cinéma pour regarder un film ou parce que j'aime regarder les films. Attention à cette question. Quand je demande une question pourquoi, la réponse, nous avons deux choix. Soit pour regarder, à l'infinitif direct, le verbe. Donc, pour regarder quoi? Un film policier. Ou parce que j'aime regarder les films. Une phrase complète avec un sujet, un verbe et un complément. Donc, obligatoirement, quand j'utilise le mot interrogatif, pourquoi? La réponse, ça sera toujours en utilisant pour ou parce que, n'oubliez pas. Donc là, on fait un rappel. Souvenez-vous, les mots interrogatifs, adawat al-istifham. Nous avons le mot interrogatif et la réponse. Et selon la réponse, on choisit le mot interrogatif. Et selon le mot interrogatif, nous sommes obligés de répondre. Allez, numéro 1. Est-ce que c'est un mot interrogatif? Quand je demande est-ce que, obligatoirement, nous avons une réponse par oui ou par non. Ma fi hal thani. Est-ce que la réponse, ça sera oui ou non? La deuxième mot interrogatif. Qui est-ce?
c'est qui? Donc qui, ça nous donne quoi? Regardez la réponse. C'est une personne. Elle est qui est-ce? C'est maman. Qui est-ce? C'est ma sœur. Qui est-ce? C'est papa. Et etc. Donc il faut avoir une personne. Qui est-ce? C'est Maha, par exemple. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu lis? Le mot interrogatif, là, c'est qu'est-ce que? Quand je veux répondre à cette question, regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Donc là, on parle d'un objet. Melmous, c'est un objet. Qu'est-ce que tu fais? Allez, regardez. Je plus action. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Qu'est-ce que tu fais? Je lis. Qu'est-ce que tu fais? J'écris. Donc là, on parle de quelque chose. On est en train de faire une action. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu lis? J'ai un livre devant moi et je suis en train de lire. Allez, qu'est-ce que tu lis? Je lis un livre, par exemple. Je lis un journal, et etc. Donc là, je lis quelque chose. Allez, on continue. Combien? Qu'est-ce que ça nous donne combien? Allez, regardez la réponse. La quantité. Qu'est-ce que ça veut dire la quantité? C'est le nombre. C'est 1, 2, 3, 4, etc. Donc, combien? Il faut obligatoirement avoir la quantité. N'oubliez pas. Allez, on continue. Le mot interrogatif, où? Aïna. D'accord? Donc, ça nous donne un lieu mokan. Donc, où? Au cinéma. Tu vas où? Je vais à l'école. Tu vas où? Je vais à la maison. Je vais à la mosquée. Donc, il faut avoir un lieu avec les propositions. Donc, ça nous donne tout le lieu. Allez, je continue. Comment? C'est très important de faire attention à ce mot interrogatif. Comment? Kaifa? Il y a plusieurs réponses et plusieurs utilisations certainement pour ce mot. Allez, je peux dire comment tu vas à l'école. Donc, je vais en taxi, je vais en voiture, etc. Là, je parle de quoi? Je parle des moyens de transport. Adawat al-muwasalat. Donc, comment ça nous donne quoi? Moyens de transport. Ok. Comment? Comment est ton père? Comment est ta mère? Comment est Mona? Là, je demande quoi? Je demande la description, décrire, wasf, une personne. Je peux dire, et là, attention, il faut toujours avoir un adjectif. Donc, beau, grand, petit, jeune, mince, gros, tout. Je dois avoir un adjectif, sifa da'iman, pour décrire quelqu'un. Et n'oubliez pas ici comment. Comment vas-tu? Comment ça va? Je vais bien. Donc là aussi, j'utilise la l'hal, demander les nouvelles. Donc le mot interrogatif comment, très important au fil à istikhdamat adida. D'accord? Allez, on continue. Là, je demande l'heure. Regardez. À quelle heure? À quelle heure tu vas? À quelle heure tu fais tes devoirs? Donc, à, ça nous donne l'heure. Elle amène le waqt. Ou même, quand? Mata? Aujourd'hui? Au mois de mai? Etc. Donc, à quelle heure? Quand je demande une question avec le mot interrogatif, à quelle heure? Là, la réponse doit avoir à quelle heure? À une heure. À quelle heure? À trois heures. À quelle heure? À quatre heures. Donc, à plus, comme vous voyez, l'heure.
Mais quand je demande quand tu vas à l'école, par exemple, la réponse là doit avoir le temps, الزمن. Le temps, ça peut être quoi? Le jour, اليوم, mardi, jeudi, vendredi. Ça peut être l'heure, à 11h, à minuit. Ça peut être le mois, mois de mai, mois de juin. Et même l'année, comme maintenant, nous sommes en 2013. Donc là, quand je demande en utilisant le mot interrogatif « quand », là j'ai plusieurs réponses qui concernent le temps. N'oubliez pas, « نفرق بينهم ». Allez, on continue. Pourquoi? Pourquoi? Raison. Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu vas au cinéma? Pourquoi tu vas à la mosquée? Donc là, je demande la raison. Donc, la réponse, j'ai deux choix, deux réponses. Soit par utiliser pour, pourquoi tu vas au cinéma, par exemple, pour regarder un film. Donc, le verbe utilisé, ce sera à l'infinitif, masdar, بدون أي تصريف. Pourquoi tu vas au cinéma? Deuxième réponse, parce que j'aime les films. Et là, quand je choisis parce que, je dois avoir toute une phrase après. Phrase avec un sujet, un verbe et un complément. Et attention, le verbe doit être conjugué, musarraf, selon le sujet. D'accord? Allez, on continue. Là, on va faire un exercice. Regardez. Tu relis, rapt, tawsil, tu relis la question avec la réponse. Donc, nous avons toute une liste de questions et toute une liste de réponses et on doit relier les deux. Question numéro 1. Pourquoi tu ne prends pas un taxi? Pourquoi? 2. À quelle heure? À quelle heure tu vas au cinéma? 3. Que fait ton père le soir? Qu'est-ce qu'il fait le soir? Allez, on va voir les trois réponses. A. Il lit ou il regarde la télévision. 2. Parce que je préfère prendre le bus. C'est à 9h. Allez, réfléchissez. On relie les questions avec les réponses. Allez, on commence. Regardez, nous avons les questions 1, 2, 3 et les réponses en bas. La première question. Pourquoi tu ne prends pas un taxi? À votre avis, ça sera quoi la réponse? Bien sûr. B. Pourquoi tu ne prends pas un taxi? Parce que. Donc, parce que, ça nous donne la réponse. Quand je vois parce que, c'est toujours pourquoi. Parce que je préfère prendre le bus. Deuxième question. À quelle heure tu vas au cinéma? Bien sûr, ça sera C. À 9h. Donc, à quelle heure? À 9h. 3. Que fait ton père le soir? Qu'est-ce qu'il fait le soir? Bien sûr, ça sera la réponse A. Il lit, action, lecture, qira'a. Ou il regarde la télévision. Allez, on continue. 4. Combien? 1, 2, 3. Combien de frères tu as? Combien de frères as-tu? C'est la même chose. 5, c'est qui? 6, c'est quoi? Nous avons 3 réponses. D, c'est un livre de français. 4, c'est ma sœur Brigitte. Comme d'habitude, un tableau avec les questions et les réponses. Question numéro 4. À votre avis, réfléchissez bien. Combien? Allez, combien? Quelle est la réponse? Bien sûr. Combien de frères tu as?
ça sera 4. Donc, j'ai 4 frères. La réponse E. D'accord. Numéro 5. C'est qui? Qui est-ce? Elle est la réponse. Oui, F. C'est ma sœur Brigitte. Donc, une personne. Et numéro 6, c'est quoi? Bien sûr, ça sera le D. C'est quoi? C'est un livre de français. C'est quoi? Un dictionnaire, et etc. On continue. 7. Où vas-tu après l'école? Tu vas où après l'école? 8. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes quoi? 9. Est-ce que l'avion arrive aujourd'hui? 10. Comment vas-tu à l'école? Et nous avons 4 réponses. Le karaté? Non. Demain? En voiture ou club? Allez, un tableau avec les 4 questions et les 4 réponses. On commence. Question 7. Où vas-tu après l'école? Réfléchissez où? Bien sûr. Donc, où, Aïna, ça nous donne? Au club? Au cinéma? Un lieu? Numéro 8. Qu'est-ce que tu aimes? Allez, la réponse sera? Regardez. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le karaté. D'accord? Quelque chose. Est-ce que l'avion arrive aujourd'hui? Est-ce que la réponse, ça sera toujours avec oui ou non? Bien sûr, là, c'est H, non, demain. Et numéro 6, comment vas-tu à l'école? Bien sûr, ça sera en voiture et les autres moyens de transport. On continue avec un autre exercice. Allez, on lit. Tu choisis le mot interrogatif convenable, monasib. Donc, là, nous avons 3 choix et on doit choisir. Allez, je commence. 1. Point. Donc, tu as. Allez, regardez la réponse. J'ai 1, 2, 3 oncles. Donc, j'ai 3 oncles. Regardez la réponse. Pourquoi, comment et combien? Allez, réfléchissez bien. J'ai un nombre. Donc, on est obligé de choisir quoi? Bien sûr, combien. Pourquoi? Parce que ça nous donne une quantité ou un nombre. D'accord? Allez, on continue. La réponse 2. Point. Tu vas au club? Regardez la réponse. Il faut toujours voir la réponse. Je vais au club en taxi. Qu'est-ce que c'est, taxi? Allez, regardez les 3 réponses. Quand, comment, où? Allez, réfléchissez. Quand j'ai en taxi, qu'est-ce que c'est les moyens de transport? Taxi, en bus, en voiture, etc. Quel est le mot interrogatif convenable? Bien sûr, ça sera... Comment? Comment tu vas au club? Je vais au club en taxi. On continue. Numéro 3. Blanc, vous jouez de la guitare. Regardez la réponse. Toujours regardez la réponse. Parce que j'aime la musique. Parce que, comme réponse, nous oblige à choisir quoi? Pourquoi, ou qui, ou combien? Allez, réfléchissez. Bien sûr, demander, j'écris pourquoi. Pourquoi vous jouez de la guitare? Parce que j'aime la musique. Donc, parce que on nous oblige à choisir pourquoi la raison. Numéro 4. Point. Heure. Elle va au lycée. Regardez la réponse. Elle va au lycée à 7 heures. À
cette heure, c'est quoi? Elle est, bien sûr, c'est l'heure. Donc, est-ce qu'on va choisir pourquoi? Ou à quelle heure? Allez, réfléchissez. À 7h30, bien sûr, ça nous oblige à choisir à quelle heure elle va au lycée. Elle va au lycée à 7h30 et etc. Allez, numéro 5. Point, vous écrivez. La réponse, nous écrivons les devoirs. Les devoirs, qu'est-ce que c'est? Elle est. Donc, est-ce qu'on va choisir qu'est-ce que, comment, où? Réfléchissez. Les devoirs. Elle est. Donc, bien sûr. Qu'est-ce que? Donc, qu'est-ce que vous écrivez? Vous êtes en train d'écrire. Qu'est-ce que vous écrivez? Nous écrivons les devoirs. Et etc. Numéro 6. Point S. C'est mon ami Fahed. C'est ma sœur. Elle est Fahed. C'est quoi? Est-ce qu'on va choisir pourquoi? Qui? Quand? À votre avis? Fahed. Bien sûr. Fahed, c'est une personne. Donc, on est obligé de choisir qui c'est, qui est-ce, etc. Elle est. Numéro 7. Point. Ils aiment le chocolat. La réponse, oui, ils aiment. Oui, ils l'adorent même. Adorer. Donc, oui, ils l'adorent. En répondant par oui ou non, on est obligé de choisir quoi? Elle est les trois réponses ou possibilités. Qu'est-ce que? Qui? Est-ce que? Elle est, à votre avis, oui. Bien sûr, ça sera. Est-ce qu'ils aiment le chocolat? Oui, ils l'adorent ou non. Donc, la réponse, ça sera par oui ou non. On continue. Numéro 8. Point. Arrive son avion. Regardez la réponse. Son avion arrive le jeudi. Son avion arrive le jeudi à midi. Donc là, on est obligé de choisir quoi? Regardez les trois possibilités. Quand? Où? Comment? À votre avis, jeudi à midi à 3h. Allez, bien sûr, c'est quand, matin. Donc, quand arrive son avion? Son avion arrive le jeudi à midi. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتم إعطاء القواعد وأدوات الاستفهام. راجعوا كل أدوات الاستفهام جدا سهلة. نراكم في حلقة جديدة ونتمنى التوفيق. Merci, bonne chance et au revoir et à très bientôt. Au revoir.